Bienvenue à votre cours de stretching. Je suis Sophia et nous allons essentiellement étirer le bas du corps. Tout de suite, venez vous placer avec moi, de profil. Grandissez-vous, enfoncez les fesses dans le sol et placez votre jambe gauche sur votre jambe droite. Ramenez les orteils vers vous et grandissez-vous. La poitrine bien haute et sentez l'arrière de votre cuisse et le mollet. Gardez les deux jambes tendues. Inspirez lentement, expirez profondément. Laissez l'étirement se faire. Parfait. Restez encore quelques instants pour détendre davantage votre muscle. Relâchez, puis changez. Gardez le buste bien droit. Soulevez à nouveau votre poitrine vers le plafond. Grandissez-vous comme si un fil vous tirait vers le plafond. Les orteils vers vous, au maximum. Et sentez à nouveau l'étirement, au niveau du mollet surtout. Inspirez lentement, expirez profondément. Sentez l'étirement encore quelques instants. C'est parfait. Relâchez. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Grandissez-vous au maximum. Et à partir de votre hanche, venez glisser vers le sol. Soit vous essayez de toucher vos pointes de pied, soit vous les touchez déjà. Sinon, pas de souci. Vous pouvez arriver au niveau de vos tibias. Inspirez lentement, expirez profondément et sentez l'arrière de vos cuisses se détendre déjà un petit peu plus. Laissez l'étirement se faire. Détendez-vous, calez-vous sur la musique. Vous y êtes? Encore quelques instants, laissez détendre. Relâchez tranquillement, redressez-vous. On va s'occuper de vos fessiers. Placez la jambe gauche au-dessus de vos jambes droites. Enfoncez vos fessiers dans le sol. L'option ici, si vous êtes assez souple, est de fléchir l'autre jambe. Ensuite, grandissez-vous. Basculez sur l'extérieur. Et venez chercher l'arrière de votre épaule. Si vos deux fesses ne touchent pas le sol, vous pouvez très bien rester en option juste là. Le but ici est de détendre votre fesse à votre niveau. Gardez la poitrine bien haute. Laissez le fil invisible vous tirer vers le plafond. Pour intensifier votre étirement, venez chercher un petit peu plus loin derrière votre épaule. Relâchez et inversez, tout simplement. Choisissez l'option qui vous convient, soit juste là, soit jambes tendues en dessous. Grandissez-vous, éloignez les épaules. Attrapez le genou opposé et venez basculer. Le regard toujours orienté loin derrière votre épaule pour aller accentuer l'étirement et étirer un petit peu plus votre fessier.
Pour le sentir davantage, essayez de vous caler un petit peu plus dans le sol. Repoussez les fesses. Encore quelques secondes. Restez concentrés. Relâchez, revenez au centre. Et placez-vous en position du chevalier servant. Votre jambe droite en avant, votre jambe gauche en arrière. Éloignez davantage la jambe gauche pour sentir l'étirement au niveau de vos fléchisseurs de hanche. Grandissez-vous, éloignez les épaules vers l'arrière. Et restez. Détendez-vous. C'est votre moment. Parfait. Allez chercher un petit peu plus loin dans le sol. Placez les mains à l'intérieur. Redressez la poitrine de nouveau. Puis glissez votre main sur le pied pour pousser le genou vers l'extérieur et accentuer votre étirement au niveau de votre hanche. Relâchez, revenez au centre et inversez. À nouveau, jambe droite loin derrière cette fois-ci, jambe gauche devant, grandissez et restez. Essayez d'éloigner au maximum ce genou arrière. Inspirez. Et expirez, passez les mains au sol. Grandissez-vous. La main gauche sur le pied gauche et poussez le genou vers l'extérieur. Parfait. Relâchez tranquillement. Venez vous placer face à moi. Je vous remercie et à très bientôt.